beaucoup, Méachou. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ici, c'est Ashley. Vous êtes sur l'émission Micro Sans Frontières. Aujourd'hui, on se retrouve au stade de l'amitié. Oui, 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 ils nous ont bien accueillis, nous ont bien accueillis. Et notre question du jour, c'est de savoir combien de temps doit durer une relation avant d'aller au sexe. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous et tout. C'est sérieusement, mes commentaires n'avancent pas. Mes vues n'avancent pas. Mes likes n'avancent pas, je ne sais plus. Vous n'avancez, vous ne me poussez pas à continuer à vous poser la question. Vous ne me motivez pas, vous ne me stimulez pas. Quand même. Mais Ashou, je vous adore trop. Allons-y à la chasse. Bonsoir Tata. Bonsoir. Alors ma question c'est simple. Combien de temps doit durer une relation avant d'aller au sexe, selon vous? Ça, selon moi, ça dépend. Tu peux rencontrer un homme aujourd'hui, vous allez vous mungu et la relation, vous allez rester jusqu'à l'éternité. Maintenant, ça dépend. Tu peux aussi rencontrer un homme, vous allez faire des années sans vous connaître. Et après, vous allez vous séparer. Sinon, ça dépend. Combien de temps une relation doit durer avant d'aller au rapport sexuel? Bon, selon moi, je pense que une relation normale devait durer. Il faut du temps pour se comprendre, pour la compréhension. Il faut être sûr de son partenaire avant d'aller au sexe. Parce que traverser le sexe, c'est quelque chose où il faut s'attendre à tout après. S'il y a des conséquences, tu dois en subir. Donc si quelqu'un veut vraiment aller au sexe avec sa partenaire, il faut du temps. On ne peut pas définir un temps exact parce qu'on ne sait pas le temps de la relation avant le mariage. Sinon, en temps normal, une relation normale devait aboutir au sexe rien qu'après le mariage. Donc ça dépend du temps que la relation doit mener jusqu'au mariage avant de parler du sexe en temps normal. Donc selon toi, tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui et la personne va te récupérer et vous allez rester ensemble pendant qu'on appelle à vie au fait. Oui. Oh, tu peux rencontrer quelqu'un, rien ne va se passer entre vous, vous serez ensemble sans le sexe, c'est ça que tu dis? Oui. Et vous allez vous séparer? Non, après que vous allez vous connaître et vous allez vous séparer. Ça ne veut pas dire nécessairement que le sexe n'est pas le moment ou bien comment je vais dire, la période que vous avez fait ensemble avant d'aller au sexe, c'est pas un facteur déterminant pour la durée de la relation. Pourtant, il y a des hommes ici qui ont dit que eux, quand eux d'abord, voilà, ils ont dit quoi? Ils ont dit que quoi? On ne peut pas payer chaussures sans essayer ça. Donc, première chose à faire chez eux, quand ils draguent une fille en même temps, eux, ils doivent récupérer en même temps. C'est pas, et ils disent ça parce qu'il faut dire, est-ce qu'en réalité, ils arrivent à le faire vraiment? Ça dépend, c'est qui dit ça, la majorité, est-ce qu'ils ont rencontré une fois aujourd'hui? Non, c'est pas vrai, c'est pas vérifié. Ils ont juste la bouche au fait. C'est tout. Sinon, ça dépend. Ça dépend, à mon avis, moi, en tout cas, ça dépend. Donc, je donne un exemple. Chez toi maintenant, imagine. Mais ok, tu as dit ça dépend. Mais vrai, vrai, chez toi, toi, ta relation idéale, c'est-à-dire si tu devais sortir avec une personne et tout, combien de temps tu penses rester comme ça d'abord? C'est vrai que le sexe n'est pas un facteur, comme tu as dit. Hein? Mais combien de temps penses-tu rester comme ça d'abord avant d'aller maintenant au sexe avec la moi, personne? Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui ni demain. Ça dépendra. Ça peut être n'importe quand? Oui. Ça dépendra. Tu peux récupérer, la personne peut te récupérer aujourd'hui, demain, à n'importe moment. Ça dépendra des débuts. Ça dépendra de comment vous vous êtes fixé, ce que vous vous êtes dit. C'est pourquoi on parle de coups de foot. Ça dépend de comment vous vous êtes aimé, comment vous êtes rentré dedans. Donc c'est tout ça qui va déterminer. Moi, je ne peux pas déterminer la durée d'un période de sexe dans un couple à la rencontre. Jamais. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est dans là, elle est terrible, quoi. Non, elle, non, non, je la kiffe, quoi. Les gars, je sais que vous l'avez déjà kiffé en même temps, il n'y a pas parlé de moi parce qu'elle, elle est directe. Elle dit aujourd'hui, demain, oh, ça dépend de comment le truc se passe. Eh, hey, ça dépend du feeling. Merci beaucoup. Vous avez si bien dit tout à l'heure, vous avez dit en temps normal. Et vu qu'on n'est pas en temps normal, vous savez que dans la période dans laquelle nous on est tous ici, je doute fort que vous soyez puceau, excusez-moi. Et je n'ai jamais dit que j'étais puceau. Donc, résumé, en temps qui n'est pas normal, à combien de temps? Ou bien combien de temps normalement doit une relation? Combien de temps doit durer une relation avant d'aller au sexe? De nos jours, bien sûr. Je peux dire minimum 2 ans. 2 ans. Donc, en 2 ans de temps, quand tu dis 2 ans, c'est-à-dire pendant 2 ans, la personne est avec toi et tu ne couches pas avec elle, vous êtes en mode abstinence. Sérieux là? Si tu es sérieux, avec 2 ans au minimum, je pense. Ok, donc, en fait, on revient à toi hein, là. Hein. Donc, à toi maintenant, toi, tu as fait 2 ans. Ouais, je peux faire 2 ans. Tu as fait 2 ans? Oui. Et tu vas chercher, tu vas pas chercher quelque part d'autre? Non. Sérieux? Les gars, entendent, j'ai dit ça. Hein. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, tonton. Bonsoir, madame. Alors, ma question, c'est simple. Combien de temps doit durer une relation avant d'aller au sexe? Une relation avant le sexe. Il faut le sexe avant la relation. Il faut le sexe avant la relation. Oui. Comment ça? Ah,
Quand on dit on ne peut pas le poisson dans l'eau. Okay. Donc, pour avoir une relation sérieuse, il faut d'abord le sexe avant la relation. Ok, maintenant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il faut le sexe avant la cérémonie du mariage. Maintenant, je laisse le mariage. Je parle d'une relation simple. Si on revenait au mariage, ça, je comprends. Mais maintenant, avant la cérémonie du mariage, vous avez dit. Oui, je dis bien. Je répète. Je dis, il faut le cesse avant maintenant la cérémonie du mariage. Okay. Combien de temps peut durer une relation avant d'aller au cesse? Voici ma question. Ok. Et tu vois, si nous connaissons nos corps et dans ces corps de l'air, bon, et dépend de yémen ou l'air, y est donc bon de l'air tintillon. Et dépend à l'idée du et du anzon. Bon an yo. Et quand elle dépend, fidé, roué, yémen ou l'air, relation est tendue entre yémen ou l'air yo. Sinon, il n'y a rien à dire. Mais si nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Et quand nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons 2 ans, 3 ans. Nous avons un mariage. Donc, il dépend des conditions de nous. Nous avons posé nous et de nous. Nous avons une relation et nous avons un peu. Donc, je donne un exemple. Vous me draguez par exemple. Il n'y a encore rien entre vous et moi, mais comme vous m'avez dragué, je suppose qu'avant qu'on rentre en relation, vous devez d'abord me récupérer, c'est ça? Ouais. Je dois te connaître. Si toutes les facultés sont ensemble, si tu es une femme, comment on appelle-t-on, puissante, avant qu'on commence. Si moi je suis, par exemple, si je suis impuissant, okay. Et que soit toi tu es, comment appelle-t-on, stérile, non? Mm-hmm. Maintenant, et que nous sommes ensemble, on vit comme ça, sans se connaître. Sans que je n'étais pas jamais déshabillé et qu'on vive ensemble comme ça, on fait 1 an, 10 ans. Et que plus tard, j'ai dépensé mes sous et que je rencontre maintenant que le moteur est gâté. Okay. Maintenant, je vous pose une question. Tout ça va se passer à l'hôpital. Récupérer une personne pour savoir si elle est stérile ou pas, l'hôpital peut faire ça. Là maintenant. En matière de sexe, il n'y a pas l'hôpital. Donc, résumé, vous récupérez. On ne fait pas chaussure dans le carton. Ok. Toi-même, tu sais que avant toute chose là. Il faut essayer. Il faut essayer le truc. Okay. Avant de payer le truc. Et si maintenant vous essayez maintenant et à la fin vous voulez pas le truc, mais vous avez essayé et à la fin vous avez dit vous voulez pas la relation. Non, comment? Vous avez dit il faut essayer d'abord la chaussure avant de le porter. Oui. Et si ça la chaussure ne vous plaît pas, vous faites quoi? Comment ça, c'est, si la chaussure ne me plaît pas, c'est une négociation, je négocie. Si je ne plais pas la fille et qu'elle veut de moi, elle négocie aussi, on reste ensemble. Maintenant je dis selon vous. C'est pas une histoire de dépenses. Selon vous là, combien de temps normalement d'une relation, bon pas normalement, combien de temps doit d'une relation avant d'aller au sexe? Selon vous, hein? Faut pas dire affaire de normalement. Bon, selon elle, elle dit en caca mien, alors 1 mois, l'autre 2 semaines, hein, c'est déjà bon. 1 mois, 2 semaines. Waouh. Ce n'est pas. Tu dis 1 mois, 2 semaines. C'est pas peu. Mais dépend condition de yon noir des soirs de yon sous béton et doit coucher doué bon son appon. Non, c'est une histoire de la manière dont elle mange ton argent. Oui. Si elle mange ton argent chap chap, ça va faire combien de temps? Elle doit coucher chap chap, elle dit en 3 jours, yon son appon. 3 jours. Et si elle mange ça doucement? Et donc, par exemple, il y a un soir dans le pont de Doudou. Bon, est-ce que Doudou est bon? Relation à nous, quand on est à l'eau, et Doudou est bon, et là, flèche, mais il y a un soir, il y a un tombe, il y a un maîtrisé. Donc, selon le tonton en train de dire, avant lui, il disait au départ 2 ans et tout, à la fin, il s'est calmé, il a dit non, qu'en réalité, ça dépend de comment la go mange son argent. Si elle bouffe son argent, chap-chap, lui-même va la bouffer, donc en 3 jours, il va la récupérer. Si elle bouffe. Et elle bouffe de manière genre, il remarque qu'elle veut vraiment un truc sérieux, mais il saura combien il va aussi la bouffer, donc ça dépend. Il parle aussi de 2 semaines et tout, donc tonton, merci beaucoup quand même. Bonsoir Tata. Oui, bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Au fait, ma question c'est simple, c'est de savoir combien de temps doit durer une relation avant d'aller au rapport sexuel. Bon, comme je vous l'ai dit, ça dépend, puisqu'il y a des relations, même... Vous pouvez vous croiser tout aller au sexe. Non, il y a des hommes qui nous mettent, qui peuvent te mettre aussi la pression. Bon, si l'intéressé veut faire du sérieux aussi, il peut t'accorder du temps. Ça dépend. D'accord. Selon vous-même là. Selon moi. Selon moi,
chez soi avec un homme, je dois chercher à le connaître d'abord avant d'aller au sexe avec lui. Au moins, selon moi, au moins chez moi, là, au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Ok. Combien de temps doit durer une relation avant d'aller au sexe? Non, ça n'a pas un temps fixe. Ça dépend de comment vous avez fait votre connaissance. D'abord. Et maintenant, pour le sexe, c'est ça qui passe en premier de nos jours maintenant. Parce que si vous n'avez pas testé la femme, ou bien vous n'avez pas testé l'homme, comment saurez-vous si celui-là me correspond ou pas? Donc, tout part d'abord de sexe, avant d'aller faire la cérémonie, avant d'aller connaître les parents, de faire le mariage civil, tout ça là. C'est le sexe d'abord qui passe. Parce que la première des choses, quand vous rencontrez la femme, c'est sa forme qui vous plaît. Alors, sa taille vous plaît. Maintenant, en bas, comment elle est? Est-ce que ce n'est pas un trou vraiment totalement, c'est-à-dire déchiré? Ou bien quelque chose? C'est-à-dire, il faut tester ça d'abord parce qu'on ne peut jamais porter. On ne peut jamais acheter une chaussure sans essayer. Il faut essayer la femme d'abord pour voir si elle correspond à votre pointure. Donc ça veut dire que c'est le sexe en premier qui passe. Et maintenant, si vous tombez sur une personne et la personne dit que lui, il est du genre, parce qu'on était tombé sur des tontons qui ont dit que eux là, il faut goûter d'abord. Ils disent qu'il ne faut pas d'abord et que pour eux, on ne paye pas chaussure sans essayer ça. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas payer chaussure dans la boîte et dire que tu veux prendre. Il faut quand même essayer la chaussure d'abord. C'est pour cela, je ne vous ai pas coupé la parole. Excusez-moi, c'est pour cela que j'ai dit ça. Si l'homme veut faire du sérieux, vous pouvez même rester là pendant des mois sans aller au sexe. Donc ça dépend. Ok, j'ai compris tout ce que vous dites. Hein. Mais je reviens à ce que certaines personnes, ils ont dit que c'est une relation sérieuse. Mais eux, ils veulent d'abord goûter au truc d'abord. Avant de dire qu'ils vont même penser à faire du sérieux pour eux là. Avant de commencer la relation même sérieuse là. La première chose à apprendre chez la femme, c'est coucher avec elle d'abord. Pour savoir si là-bas là. Si c'est bon d'abord avant de dire s'il veut continuer. Peut-être qu'il veut essayer pour voir si la femme, peut-être c'est le propre, si la femme là le convient. Puis il y a des femmes au lit, vraiment, ce n'est pas la joie. Donc il y a ça aussi. Et il y a des femmes aussi qui ne savent pas faire les trucs bien au lit. Donc peut-être, c'est-à-dire on ne paye pas poisson dans l'eau. Donc, elle a dit le mot que les gars ont dit. Donc ceux qui ont dit ça, ils ont leurs raisons aussi. Donc moi, je ne vois pas là où il y a le mal. Donc je donne un exemple. Ok, là oui, c'est, on sait que c'est d'abord le sexe, mais bon, vous n'avez pas de point de vue et tout ça. Là. Résumé, si vous trouvez une femme maintenant, vous avez commencé à côtoyer une fille et tout, ou bien une femme plutôt, vous voulez dire qu'en même temps, avant même de la laisser commencer à bouffer votre argent, vous commencez en même temps à dire que vous voulez d'abord goûter au machin là, c'est ça? La première rencontre avec une femme, si tu veux vraiment une femme, la première rencontre, tu ne goûtes pas. Mais deux, troisième rencontre, tu dois chercher à voir si elle te correspond vraiment. Donc, la troisième fois, vous la récupérez au fait? Tu dois la récupérer nécessairement pour voir comment elle est en bas. Ainsi, je ne suis pas dans un chemin vraiment nuageux. Bonsoir, tonton. Bonsoir, madame. Alors, ma question, c'est simple. Combien de temps une relation doit durer avant d'aller au sexe? Selon vous, bien sûr. N'était pas relation de oui. Une relation normale, car vieux j'ai vu qu'il t'enlève des nains du corps, mais il y a 2 mois, car un mois, il y a eu un mois. Donc, si c'est une relation sérieuse, ça a fait 1 mois ou 2 mois avant que tu la bouffes. Voilà. Et si c'est pas une relation sérieuse, c'est que si tu ne parles pas si c'est sérieux ou pas. Et le mot, il dépend les relations, mais il est bon. Ni vieux, tantôt dans le chronon, les tantôt dans le bleu, dans le mien, ni son âge, plus que moi. Est-ce que mes nains acclament, quoi, mes nains acclament, quoi. On a tapé, on a tapé, on a les cordes là-bas. Oui, donc combien de temps? Ça veut dire les filles, quand toi tu penses qu'ils ne sont pas sérieux, combien de temps tu penses que tu vas les récupérer? De Timbouro, cash en carry, en même temps à moi, les deux. Cash en carry, c'est-à-dire, je donne l'exemple, tu me vois aujourd'hui, tu me dragues en même temps, comme j'ai bouffé ton argent une fois en même temps, là, tu me récupères, c'est ça? A jamais, Yahweh. Ok, et il y a encore d'autres, tu dis, il y a cash en carry, il doit encore avoir d'autres, c'est ça? Voilà, il dépend. Mais il y a moins de temps, mais à moi, il y a d'abord sérieux. Bon, relation reçoit un point 0 sur 2. Et dans une période 3 mois, c'est bien recouré. On a point, est-ce qu'à quoi des ans reçoit des maraudis et du remerciement? Donc, le tonton, lui, il est en train de dire
que lui là, il y a que ce qu'il peut dire. Lui aussi, il revient à ce que un monsieur a dit. Il dit que c'est une histoire de l'amener la fille bouffe son argent. Si elle bouffe son argent, chap, que lui, il est même du genre à faire cash en carry quoi. Donc lui, il peut prendre aujourd'hui et il récupère en même temps. Et il essaye de faire comprendre aussi que quand c'est une relation sérieuse, qu'on appelle certaines fois, il récupère la fille peut-être après 3 mois, d'autres après 2 mois. Donc ça dépend en fait de tout quoi. Donc tonton, c'est ça? Oui, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Enfin, on est à la fin de cette émission. On était au stade de l'amitié. La question était de savoir combien de temps doit durer une relation avant d'aller au sexe. Écrivez dans les commentaires pour nous proposer des questions. Partagez, abonnez-vous, likez, je ne sais pas, mais quand même. J'ai besoin que les likes avancent, que les vues avancent, que tout ça avance. Mais vous ne faites rien, je ne comprends pas. Et encore les sponsors, vous ne réagissez pas. Attends, mon émission ne vous intéresse pas. Ou bien, attends, je ne fais rien, c'est ça. Je ne me chine pas assez pour que vous venez me supporter. Oh, mais là, je vous adore trop. Au moins, aidez-moi un peu. Merci.